Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine? À affronter l'inconnu? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Ces pics, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Pas de geste brusque, hein. Qu'est-ce que ça souffle? Faut surtout pas qu'on s'arrête. Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Wow ! Attention ! Est-ce que ça va ? Ouais. On va y aller doucement ici. Toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Mais comme celui-là pour le faire. J'espère.
J'espère que les trinitaires n'ont pas été plus rapides que nous. Qu'est-ce que t'en penses? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais, t'es prêt? Allez, c'est parti. Par ici. On va progresser tout doucement. Reste avec moi. Attention! Oh la vache! C'était moins une. Oui. Attends, je vais te remonter. Oh putain. Là. Regarde là. Vite. Balance-moi vers l'autre côté. Ok, accroche-toi. Je te tiens plus! La corde m'échappe! Ah ah. Grimpe! Grimpe! Mais merde! Attention, reste pas là! Rentre, Jonah! Retourne au refuge!
la pire des cruautés qui nous sont infligées, et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Nous vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os? De la poussière? Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Désolée, je t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non. Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie? Oh non, Lara! Pas ça! C'est de la folie pure! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Bon. À partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de...
Pas d'échappatoire. C'est là, quelque part. Il semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait caché dans les falaises, au-dessus de l'une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Oh. Que je t'ai enfin trouvé. Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète. Nous y voilà. Papa avait raison. Ok, c'est lui, là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Ça ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople, injustement exécutés par les membres de l'ordre de la Trinité. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Aucun signe d'elle. Je pense qu'elle n'a pas survécu au crash. Ok, traînons pas. Constantin veut entrer dans ce tombeau avant la nuit. Il cherche le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. C'est le prophète, en pourparlers avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Mon grec est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements.
Une porte secrète. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Déjà là, il faut que je rentre. Les membres de l'Ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple, sans relâche, jusqu'à ce qu'ils les rattrapent dans leur oasis cachée. Un passage. Allez, quoi ? Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'Ordre de la Trinité. Le prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. Mon fils. L'Ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué ? Bon sang, j'étais presque. Ils vont forcer le passage pour entrer. Ah 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 ah
ça marche. Ils vont réussir à entrer. Maître, ce que vous dites est impossible.
Maître, je chevauche à la tête. Faut faire monter le niveau de l'eau. Posez les explosifs. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le, doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux.
êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. À terre !